dedication to all my champions around the world. Open your eyes, the sun comes up. You've been waiting this time, and now we are the champions. Salut à tous les internautes d'Imaramedia.com. Nous sommes dans les coulisses du tournage du clip We Are the Champions. Et à côté de moi, j'ai une champion de la musique, plus particulièrement le R&B français, c'est Shanice. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi, comment ça va? Ça va, on a un peu froid quand même. C'est un peu froid. Mais ça va, on se tient chaud quand même. C'est ça. C'est très chaleureux ici, donc... Alors, c'est un titre, si on peut le qualifier en termes de genre musical, c'est un peu afro-électro-pop. C'est un peu dans cette vibe-là. Toi, tu as d'abord évolué dans tout ce qui est vraiment le milieu R&B français. C'est important pour toi de te diversifier en tant qu'artiste, parce que c'est pas vraiment ce que tu as l'habitude de faire. Ouais. Moi, je fais pas partie de la catégorie d'artistes qui se range dans un moule. Tu n'as pas d'étiquette. Non, j'ai pas d'étiquette. Ça veut dire que, comme sur mes anciens featuring, par exemple avec Wayne Beckford, c'était une balade un peu plus soul. Sur l'EP qui va sortir bientôt, qui va rester quand même un peu plus R&B, on va pas se mentir. Mais sinon, je suis vachement ouverte et. Vous pouvez me retrouver sur de la pop rock, sur de la soul, sur du rap même s'il faut, mais je suis très ouverte, donc c'est ce que je voulais défendre en fait sur ce titre. Raconte-nous un petit peu l'entente entre les différents artistes, comment ça se passe? Est-ce que vous ne vous voyez pas du tout ou est-ce qu'au contraire tu as pu quand même sympathiser avec certaines personnes? Si, on s'est quand même rencontrés sur tout ce qui était, les répétitions pour les chorés, tout ça et tout, donc j'ai rencontré Truth Hearts et j'ai rencontré les Diponces. Au top, franchement, c'est des filles super bien, on s'entend super bien, elles apprécient ce que je fais musicalement, j'apprécie déjà ce qu'elles faisaient, j'avais déjà écouté ce qu'elles faisaient, donc honnêtement, voilà. Djibril Cissé que j'ai rencontré aujourd'hui et qui est une personne aussi au top, qui se prend pas la tête. Franchement, honnêtement, on se croise depuis tout à l'heure, on ne peut pas trop discuter ensemble parce que chacun est occupé, mais honnêtement, ça se passe bien, on est là, on sourit, on se soutient, voilà. Si tu pouvais nous donner juste un petit aperçu, je sais pas moi, dire de quelle couleur sera ta tenue ou non, juste donner un petit avant-goût comme ça de ce clip. C'est l'Afrique, c'est les couleurs, c'est le monde, c'est nous, c'est moi, c'est Shanice. Voilà. On dirait un slogan. Toujours dans les coulisses du tournage du clip We Are the Champion. Et qui est-ce que j'attrape comme ça? Jessie Matador, comment tu vas? Ça va très bien toi? Ouais, ça va très bien, merci. Ça va, ça va. Alors raconte-moi un petit peu, tu viens participer, donner ton soutien en gros. Oui, voilà, bon en fait, y a mon ami Djibril qui est dans le morceau. Yes. Puis il m'a passé un coup de fil, il m'a dit voilà, on fait un clip et tout, ça serait bien que tu passes et tout. Comme c'est longtemps que je ne l'avais pas vu aussi, donc je suis venu et puis. Donner la force tout simplement au projet. Dès qu'il y a de l'ambiance quelque part, t'es jamais trop loin, quoi. non, parce qu'après, on va me prendre pour un teufeur. Non, disons que là, c'est vrai que pour l'occasion, voilà, c'était important que je vienne pour soutenir. Et puis, c'est comme un bon morceau aussi. Je l'avais d'abord entendu en radio avant de l'entendre ici. Et, voilà, on est venu participer au projet et donner de la force, quoi. Qu'est-ce que ce morceau représente pour toi? We are the champions. Ça parle de victoire. Ça fait aussi allusion au sport. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça a plusieurs connotations. C'est vrai qu'on peut dire We are the champions. Quand tu regardes les artistes qui chantent, c'est vrai qu'ils sont tous de couleur noire. Donc c'est pour dire que voilà, même si on sait que des fois il y a des discriminations et autres, on est quand même des champions. Quoi. On arrive à faire des choses bien comme True Earth dans sa carrière et Djibril aussi par le biais de champion dans la vie, tout simplement. Voilà. Et puis qu'il faut avoir une âme de champion pour avancer. Quoi. Pour toi, donc le sport et la musique, c'est en réalité, c'est un petit peu la même chose? Ouais, ça va ensemble, parce que c'est des disciplines médiatiques. Ouais. Et donc forcément, quand c'est médiatique, ça appartient à tout le monde, et tout le monde donne son grain de sel, tout le monde donne son avis, et voilà, on dépend des gens. Et si les gens ne t'aiment pas, ils ne viendront pas au stade, s'ils ne t'aiment pas ta musique, ils ne l'écouteront pas, et ainsi de suite, ils n'achèteront pas le CD, et ainsi de suite, quoi, tu vois. Bon. Donc c'est un peu la même chose. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu vas faire donc du coup dans le clip? Est-ce que tu vas juste venir bouger un peu comme tu aimes bien faire? Dans le clip là, pas de semblant, je te dis, pas de semblant. On va me laisser même 5 secondes, là, je vais frapper, pam, 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 pam. Pas de semblant, je te dis. Terrible.
donc t'as déjà préparé ta petite choré vite fait? Non, moi c'est surtout seul. Hein. Moi je mets la mix, là, je vois sec. D'accord, après, tu gardes le meilleur. Ah ouais, direct, tu gardes au montage. Bah, c'est ça un véritable artiste en fait. Mais oui, tu t'adaptes. On s'adapte à tout. Et là, tout de suite, nous avons Lady Pons. Comment ça va? Ça va bien, Imara, merci. On a pu voir sur Internet aussi une vidéo où tu es en pleine action, carrément en train de répéter cette chorégraphie, les pas. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça t'a parlé tout de suite et que tu es vite rentrée dans le bain? Ou est-ce qu'il y avait certaines choses que tu connaissais pas, qu'il fallait que tu apprennes? Dis-moi tout. Oui, en venant, moi, je savais que je dansais, j'étais une grande danseuse. Entre parenthèses, mais là j'ai appris ici qu'on apprend tous les jours. Bien sûr. Parce que il y a des pas que je connaissais déjà, mais qui n'étaient pas carrés. Et en plus, on m'a ajouté d'autres pas. Pour moi, c'est un mélange. Ça m'a apporté un plus dans ma danse aujourd'hui. Et j'ai envie de continuer avec la personne qui a monté la choré et pour voir aussi pour pouvoir m'enrichir dans ma façon de danser. Pour toi, à qui s'adresse ce morceau? Aux fans de football uniquement ou vraiment à un champ plus large, un public plus large? Moi, un public plus large, parce que c'est une chanson pleine de gaieté, une chanson vraiment très enlevée. Moi, je me dis, c'est pas que pour le foot, c'est aussi pour un public large, un public qui a envie de s'amuser, un public qui a envie d'écouter un bon mélange. Et le but aussi, c'est de voir ce titre participer à une compétition, l'hymne d'une compétition d'Afrique, Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, peu importe. Donc c'est le but de cette chanson. Pour toi, la musique et le sport peuvent donc faire bon ménage en fait? Oui. Alors, je dis, quand vous voyez les pas du foot même, c'est la musique. On pousse le ballon au rythme de la musique. On jongle au rythme d'un son, tout ça c'est un mouvement musical. Tu vas peut-être nous préparer bientôt une chorégraphie spéciale en hommage au football. On va essayer, c'est une très bonne idée. Hein. Alors c'est un titre qui fait déjà un beau succès, en tout cas en ce qui concerne cette fameuse reprise. Il est numéro 3 déjà au sein des radios en France. Il y a plus d'un million de vues sur YouTube. Est-ce que tu savais, quand on t'a demandé de faire part à ce projet, de prendre part, est-ce que tu savais que ça aurait cet impact? Ah non, non. Et dire vrai, je n'espérais pas mieux. Et vous savez, il y a Manu Dibango qui, pour nous, c'est notre idole dans la musique. Alors qu'on m'a dit que je devais jouer dans le même morceau que lui. Pour moi, même si c'était jouer et mourir après. C'était un rêve qui se réalisait. Tu ne le connaissais donc pas encore Je le connaissais déjà. Enfin, tu ne l'avais jamais rencontré? Je l'ai déjà rencontré, d'accord. Mais collaboré. Je n'avais jamais collaboré avec lui. Et pour moi, je ne m'attendais pas, dire vrai, à ce que ce titre ait autant de vues sur le net. Je ne m'attendais pas, je dis merci. Merci à tous ces gens qui ont soutenu, qui collaborent, et à vous qui continuez à soutenir ces titres. Moi, je dis merci. Si, juste avant de se quitter, tu pouvais donner un message comme ça à ceux qui connaissent le titre, qui l'ont entendu, qui l'aiment et qui attendent le clip. Qu'est-ce que tu pourrais dire là, juste pour en tant que mise en bouche? Alors, je veux tout simplement leur demander d'être patients et qu'on dit faut donner du temps pour bien préparer le plat, pour que le plat soit bien conservé et plus savouré. Ça veut dire le clip, on est en plein tournage et on vous réserve vraiment de très très bonnes choses. Et, beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse pour moi. Et je vous demande de continuer à soutenir la culture. Et on a besoin de vous. Et merci pour tout.